Hello les potos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Bleach Brave Souls. Donc voilà, je fais cette vidéo exclusivement pour vous montrer les loteries qui arrivent. Malheureusement, j'ai fait la vidéo hier. Il restait quoi, 1 jour et 10 heures pour que la loterie arrive. Maintenant, j'ai pas pu poster la vidéo. Enfin, j'ai essayé, mais je sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc je vais essayer encore aujourd'hui en espérant qu'elle se retrouvera, que vous la verrez après. Donc voilà, pour la prochaine invocation, on vient dans 2h19 minutes, c'est-à-dire à 8h du matin. Oui, il est 5h41, oui, je suis un geek, je l'assume. Pour le moment, il y a cette invocation-là, où on peut gagner... Oups. Allez, où on peut gagner Katen Kyokotsu, Zenpakuto de Kyoraku, Yumichika avec son Zenpakuto, Ruriro Kujaku et Gin Ichimaru. Donc voilà, elle est là encore 2 heures. Voilà, elle va partir, quoi. Voilà, je vous montre les prochains qui arrivent. Quand même une grosse invoque de dingue. Voilà, on peut gagner Sodena Shorayuki, le Zenpakuto de Rukia, le plus beau Zenpakuto de la Soul Society. On peut y gagner Aineko, c'est le Zenpakuto le plus sexy de la Soul Society. Non, je rigole. C'est le Zenpakuto de Rangiku Matsumoto, vice-capitaine d'Itsugaya. Et on peut gagner Urahara du passé. Enfin, non, pas du passé, pardon, excusez-moi. Et franchement, c'est un perso ultra puissant. C'est mon perso le plus puissant dans mon compte principal. D'ailleurs, je ferai un gameplay sur ce personnage-là, car c'est un monstre. Je peux faire une quête 120 tout seul, s'il le faut. D'ailleurs, je ferai un gameplay où je ferai une quête 120 tout seul. Je ferai exprès d'enlever le Wi-Fi pour qu'après, je me retrouve tout seul dans la quête coopération. Donc voilà, ça, c'était les personnages qui arrivent dans la version globale. Ils sont là dans 2 heures. À 8h du matin, quoi. Maintenant, je vais vous montrer les persos qu'on peut avoir dans la version japonaise. Ils arrivent aussi dans 2 heures, bien sûr. C'est vraiment une grosse invoque. Malheureusement, on a les mêmes persos qu'on vient d'avoir là tout de suite. Donc, vous allez voir. Pour le moment, on a cette invocation-là. Allez, voilà. On a Sodena Shorayuki, Yamamoto Affinité Mauve et Ulquiorra. Par rapport à Yamamoto Mauve, je suis très déçu car j'avais 50 orbes, je l'ai déjà en 6 étoiles ce perso là, et je me suis dit du coup Yas, vas-y, je vais faire une invoque ou deux, tu vois, je fais une invoque et je reçois Yamamoto, j'étais dégoûté, mais un truc de ouf, je voulais arrêter le jeu et tout, donc voilà, je l'ai reçu en double, j'étais dégoûté, j'aurais aimé recevoir Ulquiorra, Secondo Etapa, car il est grave puissant, ou Sodena Shorayuki que j'ai sur mon compte principal, qui est un perso magnifique avec des très bonnes attaques, donc voilà, c'était tout pour eux. Maintenant, dans 2h16, comme je vous l'ai dit, il y a une loterie à affinité connaissance qui arrive avec des persos super puissants. Vous allez revoir les mêmes qu'on a dans la version française. Donc voilà, Katen Kyokotsu, le Zenpakuto de Kyoraku, Gin Ichimaru est de retour. Et on peut y gagner Ichigo Vasto Lordes, le monster. C'est le deuxième perso le plus puissant du jeu actuellement. En troisième place, il y a le Renji Bankai, le tout dernier qui est sorti dans la version Jap exclusivement. On pourra le gagner dans la prochaine double chance chez nous, dans la version globale, avec Rurika, la Fullbring aux cheveux roses, celle qui avait craqué pour Ichigo, et Rukia, vice-capitaine avec les cheveux courts. Donc voilà. Donc voilà les potos, c'était tout pour cette vidéo, c'était loterie Brave Souls pour la version globale et une loterie connaissance, affinité connaissance pardon, pour la version japonaise. Donc voilà, je vous laisse les potos, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, à plus. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les potos, yo.